Vous savez, il y avait un petit garçon qui menait sa petite sœur sur un petit sentier escarpé de montagne. Et le voyage était long et fatigant et épuisant. Il y avait des roches, il y avait des bosses sur tout le sentier. Et enfin, la petite fille s'est sentie tellement épuisée et exaspérée qu'elle gronde son frère et lui dit « Ce n'est pas du tout un sentier. Il est plein de roches et de bosses. » Son frère, plus âgé et plus sage, lui dit « Bien sûr, mais c'est ces roches et ces bosses qui te servent de marchepied pour grimper de plus en plus haut. » Cela m'a conduit à penser à combien de fois, combien d'entre nous, dans notre vie chrétienne, pendant que nous traversons la vie, nous nous heurtons à des obstacles, et combien beaucoup de nous centrent leur attention sur ces obstacles. Bien-aimés, je veux vous dire ce matin que quiconque veut vraiment aimer le Seigneur Jésus-Christ, l'aimer de tout son cœur et l'aimer de tout son être, rencontrera des obstacles et rencontrera des difficultés. Quiconque veut vraiment aimer Jésus de tout son cœur rencontrera beaucoup de barrières. Quiconque veut vraiment aimer Jésus de tout son cœur rencontrera des distractions et des voies secondaires. Quiconque veut vraiment aimer Jésus de tout son cœur devra faire face à la tentation de faire des détours et la tentation de faire des déviations. Il s'agit donc de savoir comment surmonter ces distractions. Ah, nous les avons tous. Soit nous allons les voir comme des marchepieds, soit nous allons les voir comme des obstacles. La plupart des chrétiens s'habituent aux distractions. La plupart des chrétiens, quand ils s'habituent aux distractions, permettent à ces distractions de les empêcher d'aimer Jésus de tout leur cœur. Et voilà en fait ce qui arrive souvent. Nous continuons à parcourir des sentiers, nous nous habituons tellement aux distractions, nous vivons dans les distractions, et puis, tout d'un coup, nous nous heurtons à des murs dans nos vies. Et c'est là seulement, quand nous nous heurtons à ces murs, que nous revenons sur le passé et nous découvrons que nous avons cessé d'aimer Jésus de tous nos cœurs. Car nous nous sommes habitués aux distractions. Quand nous nous heurtons à un problème financier, quand nous nous heurtons à un problème relationnel, quand nous nous heurtons à un problème de santé, c'est là seulement que nous nous rendons compte combien nous nous sommes éloignés de notre premier amour au Seigneur Jésus. Écoutez, j'ai vu des relations de mariage et j'ai vu la même chose arriver. J'ai vu comment un conjoint, ou peut-être les deux même, peu importe, mais j'ai souvent vu comment un conjoint commence à croire que l'autre est à son service. Il commence à se permettre d'autres diversions, il commence à se permettre d'autres passions et d'autres centres d'intérêt dans sa vie, que ce soit la carrière ou n'importe quoi d'autre. Puis il commence à trouver une excuse à sa déviation. Il commence à rationaliser cette diversion de son attention envers son conjoint. Je l'ai vu. Ensuite, le couple se heurte à un mur. Et malheureusement, ce n'est qu'alors qu'ils commencent à se rendre compte combien ils se sont déviés de leur amour l'un pour l'autre. Je peux vous parler de plusieurs choses dans la vie qui font en fait refroidir notre amour pour Jésus. Vous pouvez vous aussi penser à plusieurs choses qui vous font oublier votre amour pour Jésus. Mais maintenant, je ne vais vous parler que de trois. Ce sont les trois raisons principales d'où dérivent les raisons secondaires. Premièrement, c'est notre inaptitude à accepter la correction.
Deuxièmement, c'est notre réticence à changer et à croître dans notre amour pour Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est notre tendance à confondre le voyage avec la destination. Nous allons en parler. Vous diriez, pourquoi? Pourquoi dis-tu qu'il y a une corrélation étroite entre mon inaptitude à accepter la correction et mon manque d'amour pour Jésus-Christ? Eh bien, c'est une bonne question. Je suis content que vous l'ayez posée. Il y a très peu de gens, et j'insiste sur le mot très, il y a très peu de gens qui ont le don unique d'être capables de se voir eux-mêmes tels qu'ils le sont. C'est excessivement rarissime. Je ne suis pas de cette catégorie. Permettez-moi donc de préciser où je suis. Je ne suis pas de ceux-là. Vous voyez, la plupart de nous ont l'étrange capacité de se percevoir eux-mêmes comme des personnes merveilleuses, comme aimables, parce que nous essayons tous de nous imaginer comme nous voulons être et non pas comme nous le sommes vraiment. Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule personne qui m'écoute en ce moment qui n'admet pas que l'arrogance entrave notre amour de tout cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc la question est, comment saurais-je que je suis arrogant? Si l'arrogance est une entrave, comment le saurais-je? Et si je ne peux pas le savoir, si je me vois comme aimable et merveilleux, ayant toutes les qualités, comment, à votre avis, le saurais-je, à moins qu'on me le dise? Maintenant, écoutez, la plupart de nous n'ont pas le discernement pour savoir qu'ils sont arrogants, réellement. Et c'est là où un bon, pieux, bienveillant ami chrétien intervient. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas aimer Jésus dans le vide. Nous ne pouvons pas aimer Jésus dans l'isolement. En fait, l'apôtre Jean, dans ses trois épîtres, dit souvent, il dit que si vous aimez Jésus et que vous voulez montrer votre amour pour lui, montrez-le en aimant les autres. Donc, l'aptitude à accepter la correction, quand elle est exprimée par une critique édifiante, enlève une énorme barrière qui entrave notre croissance dans l'amour du Seigneur Jésus. Maintenant, admettons-le, personne n'aime la critique. Notre réaction naturelle est prévisible. Eh bien, elle ne m'a jamais aimé de toute façon. Non, mais croyez-moi, il voulait juste m'humilier. Pour qui se prend-il? Elle ne sait absolument rien. Je ne devrais pas l'écouter. L'inaptitude à accepter la critique est une entrave énorme à notre amour pour Jésus-Christ. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui aiment critiquer. Je le sais. Et beaucoup d'elles sont dans les églises, croyez-le ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dévorés par un esprit critique. Je le sais. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment critiquer seulement pour marquer des points. Je le sais. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment critiquer tout le monde, partout, tout le temps. Je le sais. Mais je ne parle pas de ça. Ces personnes-là sont facilement identifiables. Et une fois que vous les identifiez, ignorez-les. Souriez et dites que Dieu vous bénisse. Vous ai-je dit ça dernièrement? Non, mais ça me rappelle ce critique professionnel qui est allé au studio d'un artiste. Il regarde un cadre, puis regarde l'artiste et lui dit « Est-ce l'un de vos tableaux abstraits, stupides et idiots ?» Et l'artiste lui dit « Non, c'est un miroir. » Il y a des années, un ami à moi m'a dit « Pourquoi critiques-tu le jugement de ta femme? Regarde qui elle a épousé. » Et je n'ai jamais recommencé. Il y avait un jeune homme qui se plaignait constamment de l'esprit critique de sa belle-mère. Je lui ai dit « Ça ne peut pas être aussi mauvais que ça. » Il m'a dit « Tu ne comprends pas. » Pour Noël, elle m'a envoyé deux pulls. Et quand elle est venue me visiter, j'ai décidé de porter un des pulls pour l'impressionner.
Elle est entrée, elle m'a regardé et elle m'a dit, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Je lui ai dit, qu'est-ce qui me prend? Elle m'a dit, tu n'aimes pas l'autre pull? Écoutez, je ne parle pas de ces gens-là, réellement. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous parle d'une critique vraie, honnête, authentique, bienveillante et édifiante. Car la critique authentique, bienveillante et édifiante joue un rôle essentiel. Écoutez attentivement. Elle joue un rôle essentiel dans l'examen de conscience. Et l'examen de conscience nous amène toujours à croître dans l'amour de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La critique ne doit être exercée que comme un signe et une conséquence d'amour et d'engagement mutuel parmi les frères et sœurs chrétiens. La critique doit toujours être exercée dans une atmosphère d'affirmation. La plupart de nous ne se rendent pas compte que quand Jésus était sur la croix, en fait, il nous affirmait et nous critiquait en même temps. Vous dites comment? Quand il était sur la croix, il disait, il nous affirmait et il disait, « Je vous aime, je vous aime. Je suis crucifié sur cette croix afin de vous racheter et payer les conséquences de tout votre péché. » Mais de notre côté, il nous critiquait. Il disait, « C'est votre péché qui m'a envoyé à la croix. C'est votre désobéissance. C'est la dureté de votre cœur. C'est votre entêtement qui m'a envoyé à la croix pour mourir pour vous. » Donc la croix nous critique et la croix nous affirme en même temps. Et comme Jésus, nous devons en faire de même. Refuser d'accepter la correction bienveillante et authentique, c'est refuser de comprendre l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et refuser de comprendre l'amour de Jésus-Christ pour nous, c'est refuser de l'aimer de tout notre cœur. Les critiques bienveillantes comme celles de Jésus peuvent nous briser par moments, mais c'est seulement pour nous édifier. Elles peuvent nous blesser, mais seulement pour nous guérir. Elles sont comme les chirurgiens, ils peuvent nous inciser, mais pour enlever la tumeur cancéreuse. La critique malveillante peut détruire les gens. Je le sais et je l'ai vu. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ceci ne doit jamais arriver avec les chrétiens, avec le peuple de Dieu. Je parle d'une correction authentique, bienveillante. Pour aimer complètement le Christ, vous devez être disposé à accepter la correction. Pour aimer complètement le Christ, vous devez être disposé à changer et à croître. Et c'est mon deuxième point.